Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette courte vidéo, je vais vous présenter mon nouveau micro Video Mic Pro de la marque Rode. On commence le déballage. Dans cette petite boîte, vous allez trouver le micro avec un petit manuel d'utilisation. Ce qui va nous intéresser, c'est le micro. Déjà, désolé pour le son de cette vidéo. Justement, c'est pour ça que j'ai acheté un nouveau micro, parce que voilà, ce sont pas terribles, vous allez plus l'entendre en fait. Pour les caractéristiques de ce micro, on va trouver deux boutons. Le premier permet de l'éteindre ou de l'allumer, ou de l'allumer en activant le mode HPF. Qu'est-ce que c'est que le mode HPF? Le mode HPF permet d'éliminer les basses fréquences, c'est-à-dire tous les bruits indésirables, en gardant une meilleure qualité de son. Et le deuxième bouton, c'est pour activer l'amplificateur, parce que ce micro, il dispose d'un amplificateur qui est alimenté avec une batterie qui se place ici sous le micro. Pour l'amplificateur, on peut le mettre sur 0 ou moins 10 ou plus 20. Je pense, pour moi, je le mettrai sur plus 20. À l'aide de cette accroche standard, ce microphone peut être fixé sur n'importe quel appareil photo. Et on trouve aussi des suspensions Ricotte pour assurer une meilleure stabilisation du micro. Et pour connecter votre microphone à votre appareil photo, il y a ce câble jack 3,5 mm. C'est un petit peu l'inconvénient parce que on a que cette longueur-là du câble. Donc, si vous voulez l'accrocher sur autre chose que votre appareil photo, dans ce cas-là, il faudra acheter un adaptateur. Pour le prix de ce microphone, sur Amazon, il coûte dans les 185 €, mais vous pouvez le trouver en promotion parfois à 150 €. J'espère que cette courte vidéo vous sera utile et à une prochaine vidéo. Ciao!